Il existe une conscience collective très forte au niveau du quartier. Le travail que j'essaye d'amener, c'est arriver à transformer la relation. Se servir de la relation dans un sens dynamique et non plus dans un sens réducteur. Tout groupe doit être appelé à s'ouvrir, parce qu'au bout d'un moment, le groupe se dévore et tourne en rond. Et on ne peut plus partir du quartier. Mon rôle ici, c'est d'amener un espace. Je suis celui qui s'en va et qui revient. Et l'imaginaire des enfants part avec moi. Si Droit de Cité existe, c'est parce que eux sont là. Une des motivations de base aussi, c'est, à un moment donné, confronter mon art à une autre réalité. Et si notre art n'est pas capable de parler à tout le monde, à ce moment-là, c'est un art qui est châtré, forcément. Par rapport à moi, à ces désirs que j'avais en moi, j'ai pu trouver en face de moi les questions qui correspondaient à ça. Ça veut dire que quand on se promène au milieu du quartier des musiciens, on voit les enfants danser entre les immeubles, dans les cages d'escalier. Parce qu'ils ont leur danse, ils ont leur culture, ils sont déjà en train de l'inventer. Bon, on la récupère, on l'appelle du rap. Au fait, on aime ça, parce que ça balance, ça swing. Il y a quelque chose d'extrêmement vivant à l'intérieur de ça. Donc, il y a une espèce de communication de base qui devrait exister entre les cultures. La notion de danse contemporaine a toujours été liée à une notion d'ouverture du corps, d'ouverture de l'esprit, prise de conscience de la nature, prise de conscience des désirs et des pulsions de l'homme. Et moi, j'ai une projection dans l'espace de la création, c'est avec un travail de chorégraphe et en même temps un travail de pédagogue. Voilà. L'enseignement est toujours lié au fait d'inventer. En ce sens, les enfants du quartier des musiciens sont complètement responsables et créateurs. Très légèrement que tu te penches en avant. Ça te plaît, vas-y. Très légèrement. C'est fait que tu le portes avec le ventre, tu le portes pas avec le dos. Tu vois, quand t'es là, et là t'es easy quoi. Ça va là-haut? Ouais. Là t'es cool, hein, t'es tranquille. Tu peux faire 2 km comme ça. Hein. Descends doucement. Non. Descends doucement. Voilà. Ouais, d'habitude j'arrête, mais lui il a. Non mais faut faire gaffe parce que. Non mais ce qui se passe c'est que obligatoirement le mec qui est derrière, inconsciemment il va faire ça. Ouais. Tu vois? Ou alors faut vraiment avoir beaucoup l'habitude et porter son propre centre au-dessus de l'autre, quoi, tu vois. Fais gaffe de pas le tirer en arrière quand tu pars. Fais voir. La difficulté pour le professeur qui enseigne à l'intérieur de Droit de Cité, c'est de s'adresser à la fois au groupe et à la fois à l'individu. Et pratiquement au même instant. De manière à ce qu'il n'y ait pas de différence et que l'enfant soit toujours concerné directement.
dans, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. C'est fondamental. Pour cela, j'ai vraiment fait appel au travail de l'aïkido, art martial contemporain donc, et au travail de danse africaine. À chaque fois, c'est une ouverture qui leur est proposée, qui puisse leur permettre d'exister, de ne plus être un espèce de numéro dans l'infini. Vous savez, quand on habite dans une tour qui fait 20 étages, à un moment donné, on a vraiment cette sensation d'être dans une fourmilière. Le fait de danser, c'est se faire reconnaître par les autres. Dans la danse africaine, par exemple, très souvent, le jeune danseur s'impose à la communauté. Enfin, dévoile sa force, dévoile sa souplesse, dévoile son envie, son désir. C'est une chose très très forte qui se passe entre lui et le groupe. Vous ne pouvez pas savoir comme il peut être important, par exemple, pour un enfant de couleur, de pouvoir projeter à la fois son amour, son désir sur des personnes qui sont blanches. Et dans les deux sens, puisque j'invite aussi des professeurs de couleur, des professeurs d'autres cultures. Je le vois pas du tout d'un point de vue idéaliste. Hein. C'est aussi du temps et de l'argent et des professionnels qui participent à cette action. Les premières improvisations que j'ai fait travailler aux enfants, c'était autour du thème d'un port. Et les Mureaux, en fait, est un port très très ancien. Ça veut dire que depuis très longtemps, il y a eu un mélange entre des étrangers et des autochtones. À partir de là, je leur ai proposé comme ça d'improviser sur le thème d'un port. Et au début, le groupe des grands ne m'ont fait que des clochards. Ils étaient incapables de me faire autre chose qu'un clochard. Parce que c'était dans leur imaginaire. C'est pas simplement la timidité, c'est arriver à pouvoir se voir d'une autre manière. Il faut savoir ce que ça veut dire d'habiter dans un quartier défavorisé de surcroît, jusqu'à ce que Alassane a pris une chaise, s'est posé dans un coin et a fait un peintre. A peint cette situation-là. Et à partir du moment où Alassane a réussi à se projeter dans une autre situation, les autres ont osé. Et hop, on a commencé à construire des choses. On a pu commencer à danser.
L'acte de représentation, c'est un acte de création à part entière, que je défends complètement. Ça nécessite une conscience de l'espace, du temps, de la qualité du mouvement qu'on produit, de la quantité de mouvement qu'on produit. Enfin, ça demande des notions quand même très fines et un apprentissage de toutes ces données. Les jeunes danseurs qui travaillent avec moi sont allés danser à Grenoble, sont allés danser à la Villette, à Paris, sont allés danser à Chartres, à Mantes-la-Jolie à côté. Et je les ai amenés à cette espèce de rencontre avec la scène. Ce qui fait que la danse n'est plus un divertissement. La danse devient véritablement un art et un moment extrêmement particulier de soi-même. C'est un peu comme un rituel. On apprend des gestes qu'on répète jusqu'à ce qu'ils aient un certain rythme, qu'ils s'inscrivent dans un certain temps et qu'ils aient un certain sens pour nous au moment où on les fait. Et à ce moment-là, on peut donner ça au public. Quand on arrive à cette communication, à ce moment-là, c'est un plaisir immense. Et ça, n'importe qui peut le sentir, s'il s'engage véritablement dans le travail. Ça, pour moi, c'est une réussite énorme, parce que faire prendre conscience à la collectivité du travail de ses enfants, et non plus simplement du saccage d'école ou de bureau ou de quoi que ce soit qu'ils peuvent arriver à faire, c'est à un moment donné les remettre à leur place. On exprime ce qu'on a envie de dire avec la danse. On danse devant un public qui nous voit autrement. C'est pas que tu vas danser et qu'ils n'ont rien à foutre, ils vont partir. Parce qu'à chaque fois qu'on vient des murs, ils nous disent ça y est, c'est des casseurs. Et qu'on a été danser avec Pierre et tout, ils nous voyaient différemment. Je crois que ceux qui viennent de la zone, ils peuvent faire autre chose. Ils vont voir et puis ils vont apprécier. Ils vont nous respecter, quoi. Je ne suis pas sûr de rester toute ma vie au Muro. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le jour où je partirai du Muro, il existera quelque chose qui pourra continuer. En général, si on fait de bons choix, on gagne des choses extraordinaires, on gagne énormément d'amour autour de nous, et ça nous fait grandir, et ça nous donne l'envie d'aller plus loin et de faire participer de plus en plus de gens à cette espèce d'harmonie comme ça qui se développe naturellement. Droit de cité. Droit de cité a été. Et je souhaite à beaucoup d'artistes de pouvoir vivre une expérience de ce type.